Frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h pratiquement 40, 20h38 heure locale. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes, si je ne me trompe pas, le 22 juin 2015. Et voilà, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas, n'est-ce pas, vu comme ça là, en direct. Et très très heureux en tout cas. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux à être connectés. Et nous bénissons le Seigneur pour la belle, pour sa belle présence et pour la motivation voilà, qui vous anime, hein, donc l'Esprit de Dieu qui vous anime, qui vous pousse à aimer de plus en plus cette vérité. Père, au nom de Yeshua, nous prions, Seigneur, pour cette soirée, pour cette émission, pour nos bien-aimés qui nous suivent ce soir depuis les nations. Nous te bénissons pour la bonne parole, Seigneur, qui nous délivre. Père, nous te confions nos cœurs encore ce soir, nos émotions, nos sentiments. Nous voulons te voir élevé à jamais. Seigneur, nous voulons te craindre. Au nom de Yeshua, nous te prions. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est une émission spéciale, comme vous avez pu le constater, hein, donc avec le slide qui a été fait, la banderole que nous avons mise sur la page d'accueil de TV et Radio de Vie. Et une émission spéciale pour moi parce que, tout simplement... Et le Seigneur est glorifié, le Seigneur sera glorifié. Et voilà, donc parce que tous les jours, ben, nous devons vivre des choses spéciales avec le Seigneur. Hein, donc voilà, donc c'est voilà, nous sommes rentrés d'une longue mission au Canada et aux États-Unis. Je tenais personnellement à bénir le Seigneur et à dire merci. Et aux frères et sœurs qui nous ont beaucoup assisté au Canada et aux États-Unis, nous avons fait. Notre première mission à Ottawa, ça s'est très bien passé, des gens sont venus de pas mal d'endroits. Et ensuite, nous avons fait plusieurs jours à Montréal pour plusieurs réunions, voilà. Et puis ensuite, nous avons été à Québec, et, où nous avons été aussi beaucoup encouragés par des frères et sœurs hein, qui sont venus aussi de pas mal d'endroits. Et on a été ensuite à Toronto. Pareil, nous avons été agréablement surpris par l'œuvre que le Seigneur a faite là-bas. Et on a pris notre envol pour, on a pris un vol pour Washington. Et pareil là-bas, ben, on a été aussi beaucoup beaucoup encouragés. On a pu voir des frères et sœurs qui sont venus de tous les États-Unis. Et voilà. Et à Montréal, un frère est venu me voir. Il a fait 20 heures de route. Et c'était quand même assez particulier de voir tous ces déplacements. Il y en a qui ont fait 6 heures de vol pour venir jusqu'à Montréal, jusqu'à Ottawa ou encore à Washington, tout ça. Et on a été beaucoup, beaucoup surpris, tellement encouragés que on va revenir bientôt, on va repartir bientôt au Canada et aux États-Unis pour d'autres programmes. Et beaucoup de conversions, il y a eu beaucoup de baptêmes et voilà, que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Voilà, donc Dieu est bon et je pense qu'on a manqué à vous, nous avez beaucoup manqué, on a manqué aussi à nos détracteurs qui nous aiment tellement qu'ils ne vivent que pour nous, par nous. Et c'est quand même assez impressionnant de voir des gens qui passent leur vie à nos épier. Donc c'est une grâce parce que on se rend compte que le Seigneur travaille. Donc quand Dieu travaille quelque part, donc tous les yeux sont bien sûr rivés, hein, braqués dessus. Voilà, nous sommes là en train de nous occuper des affaires du Seigneur et d'autres s'occupent de nos affaires. Donc c'est une bonne chose parce qu'ils font la pub. Que Dieu soit béni. Et comme vous savez, on aime beaucoup la guerre, pas la guerre charnelle, mais la guerre, bien sûr, contre les esprits impurs, et puis la guerre pour la défense de la sainte doctrine. Et justement, c'est dans ce sens-là que on va aussi ce soir dénoncer, et, mes amis, certaines personnes, pour que les enfants de Dieu soient éclairés, illuminés, au nom de Yeshua. Donc, Benoît, on peut y aller. Voilà. Donc, on est avec des frères, hein, donc qui sont sur le plateau avec nous. Et voilà. Donc, on va procéder à, n'est-ce pas, quelque chose là, donc du côté du son. Et, voilà, nous sommes en train d'appeler un homme qui se dit apôtre. Et voilà, donc, alors Benoît, ça passe pas ? Le numéro, il dit que le numéro n'est pas bon. Pourtant, le numéro, là, je l'ai eu quand je l'ai appelé, là. Et donc, je vais essayer de l'appeler. Voilà. Donc, on va appeler cet homme. Le numéro passe par ici.
Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Benoît, on peut avoir un retour? S'il te De plaît. qui? Allô, bonsoir. Allô? Ah, il a raccroché. Alors, on va le rappeler parce que c'est un monsieur qui se dit apôtre, qui est en Allemagne, c'est Nestor Wambua. Wembua, Wembua, Nestor Wembua. Donc, on va le rappeler parce qu'il a dit que la BJC est la Bible de l'Antichrist. Ils ont fait une émission ici sur Paris avec d'autres pasteurs qui sont dans la pastorale congolaise, qui sont des pasteurs voleurs. Alors, nous allons. Je l'ai eu et il a nié, alors que la vidéo est sur Internet. Donc là, je viens de l'appeler Nestor Wembua. Donc, il m'a raccroché au nez. Il a fui la confrontation. Hein, Nestor Wembua, apôtre soi-disant qui est en Allemagne. Donc voilà, un apôtre qui fuit la confrontation. Le monde entier aurait voulu, les chrétiens auraient voulu quand même l'entendre parler, n'est-ce pas? Mailbox fun. Voilà, Ja, messagerie. vous êtes sur le répondeur. Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht entgegengenommen werden. Sie haben aber nach dem Signalton die Möglichkeit, Ihren Namen und eine Nachricht zu hinterlassen. Est-ce qu'on peut nous mettre son image là, s'il vous plaît, les amis? Parce que je dis aux enfants de Dieu, Dieu m'a appelé pour dénoncer, pour prêcher le retour de Jésus-Christ et pour défendre la sainte doctrine. Donc je n'ai peur de personne, peur de rien. Les chrétiens qui sont dépouillés, nous devons dénoncer ces hommes. On n'a peur de personne. Donc, vous voyez vous-même, on appelle ici ce monsieur, hein, Nestor Wembua, qui fuit la confrontation. Voilà. Mailbox Il fun. a éteint son téléphone portable. Et Ja, vous êtes sur le répondeur. Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht entgegen. voilà. Donc, est-ce qu'on peut le mettre, Eric, si c'est possible, son image là? Voilà. Parce qu'ils ont fait une émission sur Paris, mes amis, vous qui aimez la vérité. Ils ont fait une émission pour dire que la BJC est une Bible démoniaque, antichrist. Et que les enfants de Dieu ne doivent pas la lire. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai voulu simplement, je l'ai appelé, ouais, au téléphone. Est-ce qu'on peut me prendre ma sacoche au bureau là-bas, Rigaine, s'il te plaît? Je l'ai appelé pour que ce monsieur qui se dit apôtre, Nestor Wembua, qui se dit président des pasteurs congolais dans toute l'Europe, hein, on l'a élu par ses compères, hein, ses confrères, président de la pastorale congolaise européenne, donc c'est lui qui est la tête, hein, selon lui, de tous les pasteurs congolais vivant en Europe. Alors, il a parlé justement de la BJC en tant que président des pasteurs congolais. Moi, je ne le reconnais pas en tant que mon président, parce que j'ai un seul président, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, n'appelez personne votre directeur, car un seul est votre directeur, n'est-ce pas? Dans Matthieu, voilà. Mais lui a été ordonné président des pasteurs congolais. Et il a parlé en tant que pasteur, président des pasteurs. Donc, et on l'appelle maintenant pour qu'il puisse expliquer. Il fuit. Il fuit la confrontation. C'est beaucoup plus facile d'aller parler dans le dos des gens. Et c'est quand on est chrétien, on ne fuit pas la confrontation. La parole nous dit dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. N'est-ce pas? Le verset 20. Est-ce qu'on peut nous le lire là? Jean 3, verset 20. Ma sacoche est là. Jean 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. Là, c'est quand je l'ai appelé, je lui ai dit que je devais l'enregistrer, donc il était au courant. Et il a tout nié. Hein? Je passe partout.
Ok, donc là il niait, il disait que il n'a pas cité l'auteur. On a entendu là, Benoît. On va remettre. Voilà. Donc là c'est quand je l'ai appelé avant-hier. Donc il a dit qu'il n'a pas cité l'auteur. Pourtant ils ont parlé de la BGC. Alors on a voulu quand même que le pasteur des pasteurs, parce que c'est comme ça qu'il se présente, qu'il puisse au moins nous donner quand même quelques arguments, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, condamner un frère sans donner des preuves. Donc, parce que lui, il a dit que, ce monsieur, il a dit que c'est la Bible de Louis Segond qui l'a sauvé. C'est ce qu'il dit dans cette émission qu'il a eu à animer. Et donc, je ne sais pas depuis combien de temps la Bible sauve les gens. C'est Jésus-Christ qui sauve les gens, parce que le mot Bible signifie simplement les livres. D'accord? Donc c'est un mot qui a été donné par les hommes, donc les livres. Voilà, c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc lui il dit que c'est la Bible de Scofield qui l'a sauvé, hein, qui a sauvé les gens. Alors que cette Bible de la Scofield n'a même pas 100 ans. La Bible de Louis Segond, la première édition a été éditée en 1880, donc au 19e siècle. Alors avant Louis Segond. Dites-moi, monsieur, les pasteurs de la fédération la fédération congolaise, de la CEAF, la fédération des églises d'expression africaine. Dites-moi maintenant, avant Louis Segond, quelle Bible les gens avaient? Parce que vous, d'après vous, c'est Louis Segond qui vous a sauvé. Voilà. Donc, il fut la confrontation. Donc, que Dieu soit béni. Les chrétiens ont vu clairement. Alors, je ne sais pas si on peut avoir son image là, les amis. Eric, voilà, que les gens voient. Les chrétiens voient l'image de ce faux apôtre qui est en Allemagne là-bas. Le 9 juillet, je serai en Allemagne là-bas avec des pasteurs qui aiment la vérité. Je veux aller le dénoncer officiellement encore là-bas, ce faux apôtre. Regardez-le. Voilà, si vous le voyez, mes amis, priez pour sa délivrance. D'accord? Donc, on va le poursuivre partout parce que vous avez affaire à un fou de Jésus. Voilà, donc on va pas se taire. Voilà, donc je l'appelle et puis il a tout nié. Hein, il dit que je n'ai pas cité ton nom, j'ai parlé de la Bible des témoins de Jéhovah. Mais même si vous parlez de la Bible des témoins de Jéhovah, dites au moins aux chrétiens en quoi cette Bible des témoins de Jéhovah est fausse. N'est-ce pas? Il faut des arguments. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que dirigeant des âmes, vous ne pouvez pas avancer des choses sans preuve. Voilà. Donc, j'ai appelé un deuxième pasteur qui était avec lui, qui s'appelle Kabeya. Hein, je l'ai appelé aussi parce qu'il était là. Il disait dans cette émission qu'ils ont organisée, qu'ils ont faite à Paris, que j'aurais dû aller les voir eux avant de publier, d'éditer la BGC. Alors j'ai appelé le monsieur Kabeya qui a dit ça. C'est un pasteur ici à Évry. Il y a au moins 18 ans, ce pasteur dirigeait une grande assemblée à Évry qui s'est cassée. Pourquoi? Parce que des chrétiens ont cotisé de l'argent pour acheter le bâtiment de leur église. Ce pasteur a volé cet argent. Hein, je lui ai rappelé cela hier. Il dit non, j'ai pas acheté ma villa avec piscine avec cet argent. Et c'est avec mon propre argent. Je lui ai dit mais et l'argent que les chrétiens ont donné? Parce que je l'ai appelé hier ce monsieur avec des frères et sœurs qui étaient avec moi. Et il dit non, je reconnais qu'il y a eu des erreurs tout ça, mais cet argent. Je lui dis mais l'argent que les chrétiens ont cotisé, qu'est-ce que tu en as fait? Et comment tu peux dire aujourd'hui, hein, dire au monde entier que j'aurais dû venir vous voir, vous les pasteurs de la, n'est-ce pas, la pastorale congolaise, pour vous présenter la BGC avant de la publier. Vous êtes qui? Qui vous a établi? Donc, ce pasteur aussi, il s'est caché. Et on va vous dénoncer, et les frères et sœurs vont vous dénoncer partout, au nom de Jésus-Christ. Vous couchez avec des femmes d'autrui, vous volez l'argent des gens, vous avez un problème parce que le message contre la dîme, le fait de dire que la dîme, on ne doit plus la payer, voilà le message qui vous dérange, n'est-ce pas? Et vous avez avec vous votre bishop Mosengo, hein, Jean-Claude Mosengo, l'église Maranatha, qui a frappé des jeunes qui sont allés distribuer des vidéos chez lui il y a quelques temps, il y a quelques années, et qui dépouille aussi les chrétiens. On va montrer aussi son image à Mosengo avec soutane. Hein? Donc lui qui porte des soutanes comme son oncle Monseigneur Mosengo qui est à Kinshasa, qui est catholique. Alors ce monsieur qui porte des soutanes, je ne sais pas si Jésus-Christ a porté une soutane, et ils se permettent aujourd'hui de combattre les vrais chrétiens. Hein? Donc on va nous montrer leurs images, mes amis, parce que c'est une émission spéciale. On commence d'abord par dénoncer les marchands du temple, et ensuite on va apporter un enseignement. Voilà, pour leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux, je suis prêt à aller dans les tribunaux pour aller vous dénoncer devant les juges. Voilà, donc ça c'est pas un problème. On va balancer Eric son image. Voilà,
Donc, on va les poursuivre dans toute l'Europe pour aller les dénoncer partout. Voilà. Dieu nous a établis en Europe aussi pour crier et on va les dénoncer. Voilà. Ils commencent à construire les cités maintenant. Ils ont construit, ils commencent à construire une cité pastorale au Congo-Kinshasa. Hein? Ils ont fait une émission là-dessus. Ils invitent les gens maintenant à acheter des bouts de terre pour construire leur cité pastorale. Alors que la Bible nous dit que notre cité est au ciel. Hein? Donc, on va prendre la parole de Dieu. C'est la confusion totale. Hein? Donc, on doit les dénoncer avec leur soutane là, mes amis là. Philippiens chapitre 3. J'invite les chrétiens du monde entier qui aiment la vérité à dénoncer ces hommes-là. Hein? Donc, à ne pas, comment dire, leur manquer du respect, mais à les dénoncer ouvertement. On ne va pas se taire là, au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3. Et voilà, le Seigneur est bon. Et que Dieu soit béni pour sa parole. Et Dieu est fidèle, mes amis. On va d'abord prendre Hébreu, pardon. On va d'abord prendre Hébreu. Quelqu'un va nous lire Hébreu, chapitre 13, verset 14. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Tu peux relire encore, Herman, s'il te plaît? Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est écrit, hein, mon frère. Hein? Et voilà ces pasteurs, ces faux pasteurs, hein? Mosengo notamment, Jean-Claude Mosengo et ses acolytes. Ils veulent construire avec Kabeya, construire une cité pastorale au Congo-Kinshasa. Est-ce qu'on peut nous montrer une image, juste une image, hein, tapez sur YouTube, cité pastorale au Congo-Kinshasa, que les chrétiens voient que nous ne sommes pas en train de dire des mensonges. C'est le monde à l'envers. Ils sont complètement dans Babylone et ils pensent que ce sont les autres qui sont dans Babylone. C'est le monde à l'envers, c'est la confusion totale. Hein. Ils sont complètement dans les hérésies. Vous allez voir leur soutane, et ce sont les autres qui sont faux à leurs yeux. Hein? Que tous les pasteurs qui aiment la vérité, qui sont dans leur association, la CEAF ou la pastorale congolaise ou la Fédération protestante de France, sortez de là, c'est Babylone. On vous annonce cela au nom de Yeshua. Voilà. C'est complètement le monde, c'est complètement Babylone. Tout est mélangé, c'est un repaire de serpents, un repaire de démons, comme Apocalypse 18 le dit, n'est-ce pas? Donc Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Voilà Mosengo, il est complètement soutane. Je ne sais pas si Jésus-Christ ou Paul ou Pierre ou Jacques ou Jean avaient des soutanes comme ce monsieur, hein, qui est le président des pasteurs congolais ici en France. Pas de tous les pasteurs congolais, parce qu'il y a des pasteurs congolais qui aiment la vérité, qui n'acceptent pas leurs compromissions, qui ne sont pas dans leurs associations. Alors eux, ils veulent que tous les pasteurs africains, congolais notamment, soient dans leurs associations, et ceux qui ne sont pas dedans, ils sont traités de tous les noms. Voilà. Ils sont traités de sectes, de gourous et de faux prophètes. Alors, regardez-moi, mes amis, une soutane pareille. Qui, dans la Bible, a porté une soutane comme ça? Dites-moi. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 23? On garde l'image là, s'il vous plaît. Dans Matthieu 23, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Matthieu 23, 20, Matthieu 23. D'accord? On va le lire. Et voilà, Matthieu chapitre 23. On va lire verset 24. Matthieu 23, verset 24. Conducteur aveugle, vous coulez les moucherons et vous engloutissez les chameaux, le chameau. On continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables aux sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ainsi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux au meurtre des prophètes. Verset 5. 23.5. 23.5.
Et ils font toute leur œuvre pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les salutations dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Maître, notre maître, notre maître ». Mais vous, vous ne vous faites pas appeler notre maître, car Christ seul est votre docteur et vous êtes tous frères. Voilà. Donc on va montrer maintenant les soutanes des prêtres catholiques, Eric, pour que les chrétiens voient que ces hommes-là qui disent que nous sommes dans Babylone, pour que le monde voit que c'est eux qui sont dans la Babylone. C'est eux qui sont dans... C'est le monde à l'envers. Hein? Ils sont complètement dans Babylone et ils pensent que ce sont les autres parce qu'ils ne sont pas... Parce que nous ne voulons pas nous compromettre, nous ne voulons pas être dans leurs associations, hein? Complètement paganisées, hein? Où les chrétiens sont obligés de payer la dîme chaque mois, les offrandes du prophète. Hein? On est en Europe. Il faut, n'est-ce pas, toucher les Européens. Il ne faut pas seulement... Il ne faut pas rester entre Congolais et les Camerounais qui sont en Europe. Comment on va les gagner? Et les Ivoiriens, et les Malgaches, et les frères du Maghreb, les Tunisiens, les Algériens qui veulent de Jésus-Christ. Comment vous allez faire si vous restez entre Congolais seulement là? Hein? La CEAF, c'est quoi? La communauté des églises d'expression africaine en France. Mais ça, c'est terrible, ça. On peut pas chercher à gagner seulement les Africains en France. Il faut élargir le royaume de Dieu. C'est un royaume universel. Le Seigneur a dit faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faites des Congolais seulement des disciples. C'est toutes les nations. Ces hommes ont oublié la parole et ils créent leur secte. Ils sont là comme des papes avec leur soutane. Ils ont créé des mini Vatican, n'est-ce pas? Avec leur salaire qu'on leur donne chaque mois. Et c'est nous qui sommes Babylone. C'est nous qui sommes égarés. Parce que nous ne voulons pas marcher selon leurs traces. Nous ne voulons pas suivre leurs traces. Voilà. Donc nous allons les poursuivre avec la parole de Dieu, les dénoncer partout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les pasteurs qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité et qui sont dans leurs associations quittent ce milieu parce que c'est un milieu il y a beaucoup d'impudiques. Des pasteurs qui sont dans leur association, il y en a qui ont fait de la prison à cause d'escroqueries. Il y en a qui ont porté des bracelets hein, de prisonniers à cause d'escroqueries. Babylone, c'est ça. C'est la confusion par le mélange. Voilà. La confusion par le mélange. Et ils veulent maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr, ils nous critiquent parce qu'ils ne veulent pas que nous parlions de leurs œuvres. Ils veulent qu'on se taise. On ne va pas se taire. Voilà. Et on va vous dénoncer. Et d'ailleurs, si vous portez plainte, nous allons aller au tribunal pour dénoncer les méfaits de vos collaborateurs pasteurs qui couchent avec des mineurs. On a des preuves. N'est-ce pas? Donc, ça, il n'y a pas de souci pour cela. On va montrer les soutanes de prêtres catholiques pour que les chrétiens voient qu'il n'y a pas de différence entre ces hommes et les prêtres de l'église romaine. Voilà. Au nom de Yeshua. La vérité doit être... Voilà. Voilà là où est la différence entre ces pasteurs et les prêtres catholiques chrétiens. Regardez vous-même. Où est la différence? Et c'est nous qui sommes dans Babylone selon eux. Voilà. C'est nous qui sommes égarés selon eux. C'est la confusion totale. La confusion, ils ont rejoint l'église mère, la maison mère, c'est-à-dire l'église romaine. Voilà. Et c'est les autres qui sont dans le faux parce qu'ils ne veulent pas manger leur sauce, ils ne veulent pas boire leur sauce, n'est-ce pas? Voilà. Ils ne veulent pas boire le vin de la débauche avec leurs associations. Est-ce qu'on va nous montrer une image là, de leur cité pastorale là, sur YouTube, si c'est possible, mes amis? La cité pastorale congolaise, tapez cela. Est-ce qu'on a retrouvé l'image, Eric? La cité pastorale, voilà. Et on va les dénoncer bien comme il faut au nom de Yeshua. Voilà. Ils veulent vous garder prisonniers de leur prison. Et voilà. Quand vous voyez ces choses-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je... Le ça, micro, un peu plus proche. Je sors un peu de... Tu sors de tout ce ça. Milieu-là. Tu étais là-dedans? J'étais là-dedans. Tu as fait combien de temps? J'ai fait un peu plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Dans quelle assemblée exactement? Dans la communauté Cévennes. Cévennes. Le pasteur, c'était qui? Oscar Bola. Oscar Bola. Bola, oui. Je n'ai pas encore entendu parler de lui. Mm. D'accord. Bon, j'ai un peu vu tout ça, hein. J'ai vu naître tout ça. Tu as vu tout ça, là. Voilà. Donc, t'es pas choqué, quoi, de ces images-là? Bon, maintenant, oui, parce que je suis sorti, j'ai pris la décision de m'en aller. Et
j'ai compris que c'était pas des bonnes pratiques. D'accord. C'était pas des bonnes pratiques. C'était plutôt une organisation pour promouvoir la gloire d'une personne plutôt que celle de Jésus. D'accord. C'est un peu ce que moi j'ai retenu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, nous avons pris la décision, ma femme et moi, de quitter la communauté, bah, pour aller chercher la vérité ailleurs, parce qu'on a trouvé que ce qui se passait n'était pas la vérité. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, on te faisait fallait servir le pasteur, fallait. Alors, il y a des messages, moi personnellement, qui m'ont choqué, tels que le père spirituel, hein, cette hiérarchisation et cet intermédiaire qui s'installe de fait entre le Seigneur et nous. Mmh. Hein, et puis un peu tous ces messages sur les différentes alliances qu'il fallait conclure et l'alliance aussi avec l'homme de Dieu. Par l'argent, bien sûr. Par l'argent. Il fallait donner de l'argent à l'homme de Dieu, pasteur, pour conclure l'alliance avec lui. Oui, avec lui. Dernièrement, ce qui m'a vraiment poussé à m'en aller, c'est Genèse 24. Mmh. Où, je vais juste retrouver. J'ai eu très peur au départ parce que moi la personne était pour moi une autorité, un modèle, ouais. Il m'a apporté beaucoup beaucoup dans mon parcours universitaire, mm-hmm. que ce soit financièrement, voilà. Et pour moi c'était un peu ne pas être reconnaissant que de quitter tout ça. Mmh. Mais au final, j'ai décidé de m'en aller. Parce que. Alors, donc, on nous a fait lire Genèse 24, chapitre 2. Mmh. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par Yahvé, mmh. le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens. Donc, il y a eu un autre serviteur de Dieu que j'aimerais taire le nom, qui est venu. Non, je peux dire son nom parce que les chrétiens doivent être libérés. Qui est venu et qui... De Kinshasa bah, Non, qui est ici, qui est venu à l'Assemblée. À l'Assemblée prêcher. Je prêchais devant les serviteurs. C'était une invitation du pasteur pour tous les serviteurs, mmh. nous tous qui avons un rôle à jouer. Voilà, la salle était pleine. Il fallait qu'on renouvelle notre alliance envers l'homme de Dieu. Donc, renouveler l'alliance avec l'homme de Dieu. Il fallait mettre la main sur sa cuisse. Sur sa cuisse, comme dans Genèse 24. Oui, mettre la main sur la cuisse. Waouh, Jésus de Nazareth. Le saluer, le serrer la main. Donc, par cela. Nous allons renouveler notre alliance. Ça, le pasteur qui est venu prêcher, s'il te plaît, frère, pour éclairer les chrétiens, parce qu'il est question de l'éternité. De l'éternité. C'est qui? Honnêtement, je n'étais pas venu pour cela. Donc, t'as peur, j'aurais voulu. J'aurais, oui, j'ai un peu peur. T'as peur, hein? J'aurais voulu m'entretenir avec toi, okay. un peu en privé, qu'on parle un peu de tout ça, okay. un peu à profondeur. Est-ce que tu as mis ta main sur la cuisse? J'ai mis ma main sur la cuisse. Ouh là 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 là. Tu as donné combien en argent, en euros, là? Non, j'ai mis, c'était renouveler l'alliance, donc ça consistait juste à ça. Tu as donné combien? Il y a eu plusieurs alliances. Il y a eu des 300. 300 euros. Et oui, des 500, des 100. Jésus, mon Dieu. Tout dépendait. Donc, j'ai mis ma main sur la cuisse et puis salué. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce serviteur a dit que tous ceux qui vont quitter cet homme sont les fils de la perdition. Voilà. Donc, ça m'a. Frère, ça je m'a comprends. Choqué. Je mmh. comprends que tu puisses avoir peur parce que c'est passé nouveau pour toi. Mmh. Mais je crois que Dieu, toute chose concourt bien à ce qu'aime le Seigneur. Mmh. Personne ne peut te toucher. Tu étais là-dedans, ils n'ont pas pu te tuer. Mmh. Personne ne peut atteindre ta vie parce que tu appartiens à Jésus. Mmh. Tu comprends, non? Mmh. Nous avons décidé de dire toutes les vérités, non dans le but de détruire qui que ce soit, mmh. mais dans le but de libérer les chrétiens parce que c'est biblique. Mmh. Et je pense que tu n'es pas sans savoir comment nous sommes persécutés à cause de la vérité, calomniés, tout ça, là, parce que nous voulons que les chrétiens soient éclairés. Imagine ce pasteur qui est venu prêcher dans ton assemblée, ton ex-assemblée. Mmh. Il va ici et là pour prêcher ces choses-là. Tu te rends compte la malédiction qu'il met sur les chrétiens?
Tu te rends compte, frère, si de tels hommes ne sont pas dénoncés pour avertir nos frères et sœurs qui n'ont peut-être pas, il y en a qui n'auront pas la grâce que tu as eue pour t'en sortir. Il y en a qui vont y laisser la peau, qui vont mourir là-dedans. Ouais. C'est terrible. Voilà, frères et sœurs, je ne connais pas cet homme. Il est venu pour la première fois ici. On m'a parlé, il a été reçu par un frère qui est venu me voir pour me dire, voilà, il y a un couple qui est venu, et c'est un couple qui a vécu des choses terribles. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, on a une émission spéciale pour, pourquoi pas, témoigner de ce qu'ils ont vécu. Vous vous entendez vous-même. Et il y a aussi une coupe qu'on a, on nous a donné de garder chez nous. On vous a donné une coupe à garder chez vous. Bon, une coupe après une sainte scène. D'accord. On nous a demandé, c'était une coupe spéciale qu'il fallait qu'on garde, qu'il fallait qu'on rappelle le Seigneur si on a besoin ou on a un problème, que l'on prenne la coupe et que l'on prie le Seigneur qu'il se souvienne. Et il y a aussi un t-shirt. Donc, qui est sur un thème condamné à réussir. Wow. Voilà. Et que l'on doit avoir chez soi, dans sa voiture, mettre pour un rendez-vous important. Pour, bon, c'est des choses, moi, lorsque j'entendais cela, ça me convainquait. Enfin, j'étais convaincu. Okay. Parce que c'est la parole de Dieu, on parle des paroles qui sortent de la Bible. Donc, voilà. Donc. Voilà, il fallait semer pour acheter ce t-shirt puisque c'est aussi une alliance. Wow. Qu'il faut contracter parce que voilà, c'est quelque chose bon et qui est béni, qui est rempli de la puissance, voilà, et qu'il fallait qu'on ait sur soi. On est venu avec tous ces t-shirts là. Tu es venu avec? Je suis venu avec tout ça. Est-ce que tu peux ramener tout ça s'il te plaît tout de suite? Oui, je vais aller merci, chercher. Tu peux aller le chercher, merci. En même temps, c'est ta délivrance. Que Dieu soit béni. Vous vous rendez compte? Mes amis, de ce que les chrétiens vivent, je comprends cette vision que le Seigneur m'a donnée quand il m'a amené au ciel et qu'il m'a dit devant son trône, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec elles. Il y en a qui veulent que je me taise, que je ne parle plus. Oh, ils dénoncent trop. Chrétiens, nous enseignons la parole, nous essayons d'enseigner la parole, d'annoncer le retour du Seigneur, mais de temps à autre, c'est biblique, il faut exposer les ténèbres. Comment voulez-vous que les chrétiens soient libérés? Vous entendez le témoignage de ce monsieur qui est père de famille? On a pris un passage pour eux. On a lu un passage par un pasteur qui est venu de l'extérieur de leur assemblée, invité par leur pasteur qui les contrôlait, qui les dépouillait, pour asseoir son autorité sur eux. Et il prend le passage de Genèse 24, où Abraham demandait à son serviteur de mettre sa main sur sa cuisse pour lui jurer de ne pas trouver une autre femme que celle qui sortirait de la famille de la femme d'Abraham. Et ils prennent ce passage, ils le sortent hors contexte. Ce monsieur va demander à ce que toute cette église soit face à l'égéance, à leur pasteur, n'est-ce pas, en faisant une alliance avec lui, moyennant 300 euros par personne. Et leur faisant acheter une coupe avec laquelle ils ont utilisé pour la Sainte-Seine et un t-shirt. Dessus, il y avait écrit « Condamné à réussir ». Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de ce qui se passe dans nos assemblées? C'est pas possible. Entre ceux qui encouragent la masturbation aujourd'hui, qui sont acclamés sur Internet, n'est-ce pas? Et ceux qui vendent des CD, des DVD, des concerts, leurs livres, des sandwichs dans leurs assemblées, le commerce dans les églises. Vous voulez que l'on se taise? C'est impossible. On ne peut pas. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Donc, on va d'abord montrer le t-shirt. Donc, tu l'as payé combien ce t-shirt-là? Alors, le prix n'était pas fixé. Le prix n'était pas fixé. Voilà. Moi, je l'ai payé 20 euros l'unité. 20 euros. J'en ai payé pour moi, ma femme, pour les enfants. Donc, voilà. 20 euros le t-shirt. Un t-shirt que tu peux acheter au marché de 2 euros. Voilà. Et c'est impressionnant. Condamné à réussir. Hein? Condamné à réussir. Alors, il va falloir, n'est-ce pas, nous expliquer qu'est-ce qu'ils entendent par réussir. Certainement, c'est avoir une belle voiture, une belle maison et tout ça. Donc, gagner 10 000 euros par mois. Et puis, donc là, il y a la coupe. Là. Non, la coupe, nous, ma femme et moi. Ça, c'est un autre t-shirt. Il n'y a pas autre chose?
Il n'y a que des t-shirts. Que tu les as tous achetés? Oui, on a acheté deux pour moi, deux pour madame, deux pour chacun des deux enfants. De deux enfants. Waouh. Donc, deux t-shirts par famille, par personne. Le micro, et voilà. Deux t-shirts par famille. Oh là là. Oh là là, Seigneur. Donc, la coupe, comme je disais, ma femme et moi, on avait décidé de nous en débarrasser parce qu'on n'était pas convaincus par ce message-là. On a prié le Seigneur et on a jeté à la poubelle, tout simplement. Waouh. Donc, on s'était, comme je disais, il y avait un peu cette reconnaissance envers tous les bienfaits que cet homme a fait pour moi. Mm-hmm. Parce qu'il m'a aidé financièrement, bien que j'ai été aussi là pour lui. Mais c'est elle qui m'a apporté, a fait que j'étais très reconnaissant. Mm-hmm. Je me disais que quitter l'assemblée comme ça serait un peu pas bien. Mm-hmm. Ce serait un signe de un manque de reconnaissance, d'ingratitude. Donc, mais au-delà de ça, on est arrivé à un moment où je me suis vraiment rendu compte que non, ça ne va pas parce que ça ne cadre pas du tout avec l'idée que je me fais de Jésus, mm-hmm, et de sa parole, tout simplement. Et j'ai fini par me convaincre que je n'appartiens pas à quelqu'un. Amen. Amen. Mais j'appartiens à Jésus. Amen. D'une part, et puis d'autre part, je ne peux pas mélanger ma foi envers Jésus avec une relation avec une personne. Mm-hmm. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Voilà. T'as tout compris. Donc, t'as tout compris. C'est pour cela que on a voulu, par cette émission aussi, quand on a su que tu étais là, t'encourager, parce que voilà, donc le Seigneur fait bien les choses, hein. Hier soir, on s'est dit avec des frères, on va faire une émission quand même spéciale. Le Seigneur nous a mis cela à cœur, moi personnellement. Et voilà que tu viens pour la première fois dans nos locaux ici, donc nous sommes lundi bien sûr. Et il n'y a pas de hasard tout ça. Le Seigneur a permis, parce qu'au travers de ton témoignage, beaucoup de chrétiens, je pense, qui vont être encore éclairés, parce qu'il y en a pas mal qui sont dans ces églises où on leur demande de conclure des alliances avec des pasteurs moyennant de l'argent. Et tout ça, là, c'est au lieu d'amener les gens dans le royaume de Dieu, on les amène dans les bâtiments d'église ou dans les maisons qui sont pour beaucoup des églises. Et alors que l'objectif premier, c'est d'amener les gens à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, c'est quand même impressionnant. Et voilà, donc l'image, là, est-ce qu'on va retrouver l'image là de la cité pastorale? C'est bon, Eric, ou pas? Voilà, donc on a lu le passage de Hébreux 13-14. Notre cité n'est pas ici-bas. Hein? Donc les Écritures sont claires là-dessus. Et, qu'un frère, qu'un chrétien construise sa maison parce que il a son argent, ça c'est son problème. Mais aller construire une cité pastorale, une cité pour les chrétiens, c'est de l'utopie, hein. C'est carrément, c'est autant faire comme les mormons, hein, et puis voilà, hein. Donc c'est carrément le monde à l'envers, hein. C'est carrément, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment Babylone dans sa, n'est-ce pas, voilà, la cité, le domaine cité fidèle, Kinshasa, Maluku. Hein? Domaine cité fidèle. Voilà, ça c'est la cité que la pastorale congolaise en France, en Europe, veut construire à Kinshasa. Pour les chrétiens, pour les pasteurs et certainement pour toute autre personne qui aimerait rejoindre la secte pastorale. Et c'est le monde à l'envers. On remet encore l'image là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, et c'est nous qui sommes dans Babylone. Alors, c'est le monde à l'envers, c'est l'hôpital qui se moque, hein, qui se fout de la charité. Et voilà, c'est vraiment là, c'est ils ont fait une émission là-dessus. C'est là, c'est vraiment le monde total, hein. Et voilà, la cité pastorale et la cité, comment ils l'ont nommé, la cité, comment là déjà là, le domaine, hein. Voilà. Alors, montrez-nous le clin d'œil aux initiateurs là. Voilà. Ils sont tout fiers là, les initiateurs de la vision de cette cité, c'est toujours Mosengo, Jean-Claude, voilà, ils sont tout fiers là, mes amis, tous ces pasteurs de la fédération, de la pastorale congolaise, et voilà, pendant que nous préparons pour le retour du Seigneur, eux ils sont en train de bâtir leur cité, tout ça, et attendez, je ne dis pas que un chrétien qui a son propre argent ne peut pas construire une maison pour y vivre avec sa famille, et voilà.
Mais de là à aller s'associer avec d'autres pasteurs, comme on le voit sur la photo là, pour construire toute une cité, la pastorale congolaise de France. Voilà, c'est cette pastorale là qui est à l'initiative de, n'est-ce pas, à l'origine de ce projet. C'est le monde à l'envers. Pendant qu'il faut préparer les chrétiens à l'enlèvement, au retour du Seigneur. Voilà. Donc, c'est quand même impressionnant, hein? Hein? C'est un peu chaud, et moi ce qui me fait mal, c'est en entendant ce témoignage et en voyant tout ce qui se passe, parce que je suis un peu au courant de ce qui se passe un peu dans Paris, malheureusement. Je me dis, c'est triste de voir combien beaucoup de chrétiens en fait, ont abandonné l'amour de la vérité pour les sentiments, en fait. Et les gens se laissent facilement avoir, non, c'est mon papa spirituel, c'est mon ceci, c'est mon cela, au lieu de se baser en fait, sur la parole de Dieu qui est là et qui ne bouge pas, quoi. Et ça fait mal au cœur, et puis. Le plus dommage dans tout ça, c'est que lorsque le Seigneur nous envoie des hommes, des femmes pour crier, pour avertir, ben c'est ces mêmes personnes-là en fait qui sont lapidées. Et tu te dis, ben en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout comme les prophètes se sont fait lapider dans le passé, c'est exactement la même chose aujourd'hui et c'est dommage. Malgré tout, merci Seigneur, il y en a qui se réveillent, c'est vrai, mais le constat, il est amer. Partout, c'est amer, c'est vraiment une génération perverse et corrompue. Voilà. C'est dégoûtant. Donc on relit encore Hébreux 13, 14, et la Bible dit. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. N'est-ce pas? Mais nous cherchons celle qui est à Venir. venir. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Hein? On va remettre encore l'image là. Quelqu'un va nous relire encore Hébreux 13 là-bas, s'il vous plaît, les gars. On va remettre encore l'image là. C'est vraiment c'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant, mes amis. C'est la fin. Le Seigneur est en train de revenir véritablement. Nous voilà. Voilà. Donc, pendant que l'image est là, est-ce que quelqu'un peut nous relire Hébreu là-bas? Donc, ils ont appelé domaine cité fidèle. Alors, je ne sais pas si tu es fidèle par rapport à quoi. Une cité fidèle par rapport à qui? Et voilà, donc pendant qu'on a l'image là, on va relire un passage qui contredit leur projet. Donc Hébreux 13, 14 toujours. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Voilà. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. Les cieux. Eux, ces pasteurs-là, qui nous traitent de Babylone, par contre, ils ne veulent plus aller au ciel. Hein. Ils veulent une cité terrestre, alors que la terre sera détruite. Donc, construis une maison personnelle, individuelle, parce que Dieu t'a donné les moyens, sans voler l'argent des gens. Ok, ça c'est personnel. Mais de là à aller construire une cité pour des pasteurs, une cité fidèle. Vous ne voyez pas parfois des gens que vos pasteurs se sont égarés, qui n'ont plus le message. Qu'ils vous préparent pour régner sur la terre, voilà le monde à l'envers. Et ils se permettent, bien sûr, d'aller parler de la BJC, une Bible que le Seigneur nous a fait réviser, qui n'est pas la seule Bible de réviser. Hein. La seconde a toujours été révisée, l'Osterwald a toujours été révisée, et parce que c'est un Congolais à qui Dieu a demandé ce travail, eh ben des Congolais, des Africains ne sont pas d'accord. Mais heureusement qu'il y a des Africains qui sont d'accord avec la vérité, qui prennent position. Voilà, jamais ces messieurs, n'est-ce pas, qui se disent défenseurs de la saine doctrine, soi-disant, hein, la doctrine, leur propre doctrine plutôt je dirais, jamais, en aucun cas, n'ont fait une émission pour dénoncer la Bible, hein, n'est-ce pas, des Bibles, des fausses Bibles, qui sont, où l'on voit clairement que Jésus-Christ a été comment diminué. Jamais, en aucun cas. En aucun cas. Il y a une Bible qui a été traduite pour, n'est-ce pas, les homosexuels. En aucun cas, ces grands messieurs ont fait une émission là-dessus. Voilà. Messieurs, repentez-vous de la jalousie. Ça s'appelle la jalousie. Voilà. Nous ne cherchons pas à nous faire un nom, parce que si on voulait se faire un nom, on garderait toutes les églises qu'on a implantées comme vous. Nous voulons que le nom du Seigneur Yeshua seul soit élevé, soit magnifié. Et nous allons vous dénoncer vos œuvres désormais au nom de Yeshua. C'est la cité. Voilà, donc on va aller voir une parole on reste là, sur la cité, l'image là. On va aller voir Genèse 11. Hein, voilà, Genèse 11. Genèse 11, merci Saint-Esprit. Voilà, c'est eux qui sont dans Babylone. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans Babylone. Ils sont fiers de leur Babylone.
Voilà. Ils veulent vous amener en enfer avec eux. Chrétiens, sortez de leurs assemblées, quittez-les. Ils ne vont pas, ils vont rien faire, ils ne vont rien vous faire. Genèse 11. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, c'était Babylone, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Voilà, ville, cité. Eh bien, c'est ce que ces hommes sont en train de faire. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et eux, ils bâtissent leur ville. Voilà, la cité, le domaine, cité fidèle. C'est la parole qui s'accomplit. Ce sont les signes de temps de la fin. Et eux, ils pensent que le fait que nous ayons révisé cette Bible, la BJC, c'est un signe de la fin de temps. Alors que c'est plutôt eux qui sont complètement égarés. C'est le monde à l'envers, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, le monde à l'envers, chrétien. Que Dieu nous garde. Je vous dis bien que quelqu'un construise une maison personnelle individuelle pour y habiter avec sa famille, ça c'est pas un problème. Mais de là à aller construire une cité et ils sont fiers, ils mettent leurs photos parce qu'ils sont les initiateurs de ce projet. Chrétien, réveillez-vous. Vous ne voyez pas que vos pasteurs ne sont plus avec Dieu? J'ai une question à poser. Ça dit, comment ça se fait que plus on dénonce les œuvres, et plus ils persévèrent? J'aimerais que tu m'expliques un peu. Mais c'est simple. Plus on dénonce ces pratiques, plus les gens persévèrent dans le mal. Mm-hmm. Parce que, une parole dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, qui dit, 2 Timothée 3, 13, qui dit, « Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. » Donc, quoi que tu fasses, ils vont aller de mal en pis, donc c'est voilà, et ils sont séduits. Attends, les signes nous montrent que Jésus-Christ est en train de revenir. Apostasie. C'est le temps de nous préparer pour son retour. Je ne dis pas que on peut pas, n'est-ce pas, vivre, travailler normalement, avoir une maison. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est le temps de se préparer pour le retour du Seigneur. Mais de là à aller associer d'autres pasteurs pour aller à Kinshasa, quitter Paris, aller à Kinshasa, construire une cité qu'ils ont nommée fidèle, chrétien. Il y a aucun apôtre qui a parlé de cela pour dénoncer ces pratiques. Voilà. Et ce sont eux qu'on acclame comme étant des vrais pasteurs. Ils sont en soutane, ils prennent la dîme des gens, ils prennent les offrandes du prophète, ils, n'est-ce pas, créent des sectes africaines en Europe, et ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont docteurs. Parmi eux, il y en a qui ont divorcé et se sont remariés, qui ont pris les femmes d'autrui, qui couchent avec des jeunes filles, qui ont pris l'argent que les frères et sœurs ont donné pour acheter des bâtiments de leurs églises, pour acheter leurs villas. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut l'amour, Dieu leur a pardonné selon eux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui ne rentre pas dans leur association pastorale, il est faux, il est gourou, il est égaré, il faut le dénoncer, et voilà. Et ils se permettent d'aller parler de la Bible sans l'avoir lu. Ils le disent par eux-mêmes. C'est la confusion totale. La confusion totale. Et c'est des pères de famille, c'est des grands-parents, parfois il y en a. Mais c'est la confusion, chrétien. Voilà. Que Dieu soit béni. Les chrétiens ne sont plus dupes. Les enfants de Dieu voient clairement les choses aujourd'hui. Hein, la vérité va libérer ceux qui sont destinés au ciel. Amen. Ceux qui sont pour la vérité, ils vont être éclairés. Ils ne seront plus vos proies. Vous allez aller en enfer avec les gens qui se sont destinés eux-mêmes à l'enfer. N'est-ce pas? Mais les vrais enfants de Dieu, mes amis, ils se préparent pour le retour du Mashiach. Le Seigneur a dit clairement, et Paul l'a dit dans Philippiens 3:20, notre cité est dans les cieux. N'est-ce pas? Et Hébreux 13:14 dit... nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Leur cité à eux, c'est une cité permanente. Vous voyez, regardez toutes ces maisons, ces belles avenues, tout ça là. Et c'est la confusion totale. J'ai même pas vu Paul, Pierre, Jacques et Jean, même Esaïe, aucun prophète de la Bible proposer de telles choses. C'est la confusion totale. Voilà, totale. Plutôt, c'est Babylone plutôt qui construit cela. Et regardez ce que, n'est-ce pas, ce que le roi de Babylone a dit. Nous sommes dans Daniel. Hein, les chrétiens seront éclairés, seront délivrés de tous ces marchands du temple au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Daniel chapitre 4. Regardez ce que Nebuchadnezzar a dit. Voilà. Et
C'est quand même impressionnant. Impressionnant. Donc, Daniel 4, 28. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie pour être la maison royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole est encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel disant, « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume va être ôté. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera de l'herbe à manger comme aux bœufs, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que son poil croisse comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. » Ces hommes sont les vrais Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et qui, comme Nebuchadnezzar, construisent de telles cités. Voilà, c'est la confusion totale. Et regardez, merci Seigneur, oh Dieu est magnifique. Regardez frères, tout est dans la Bible. Hein? Regardez frères, c'est ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17. Regardez, pour vous montrer que leur projet de construction là, avec leur soutane, mes amis, sont des signes de la fin de temps et qui sont complètement entrelacés, complètement saisis, pris par les liens de l'enfer, hein, les chaînes de l'enfer. Regardez Luc chapitre 17 au verset 22. Il dit aussi à ses disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici ou il est là. N'y allez pas et ne le suivez pas. Car comme l'éclair brille et resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait, on prenait et on donnait des femmes en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. C'est encore ce qui arriva au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Et on bâtissait. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de bâtir les chrétiens avec la vraie parole pour les libérer, ils bâtissent leur cité terrestre. Donc, c'est l'accomplissement de la parole chrétienne. Ce sont eux qui sont à Babylone, ce sont eux qui sont complètement aveuglés et ils doivent se repentir. Ceux qui sont de Dieu, qui sont là-dedans et qui entendent ce message, doivent revenir au Seigneur, mes amis. Au nom de Yeshua, il faut la séparation. Dieu dit dans Apocalypse 18:4, « Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez. Sortez du milieu d'elle parce que Babylone sera, mes amis, détruite. » Voilà. Et la cité fidèle, la cité de ce monde, mes amis. Et voilà, c'est ce que Apocalypse 18 nous dit. Et, hein, voilà. Et c'est un repère, mes amis, de démons. Et un repère d'esprit impur. Et c'est méditez chez vous-même Apocalypse 18, tout le chapitre. Regardez Apocalypse 18, 19. Ils jetteront de la poussière sur leur tête, pleurant et menant d'œil. Ils crieront en disant, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur la mer, comment est-elle réduite en désert à une seule heure? Voyez, c'est Babylone, voilà. Donc, les marchands, dis-je, de ces choses qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés de la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles. Comment en une seule heure, tant de richesses ont été détruites? Voilà. Donc, Apocalypse 18:4, Dieu dit, puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui selon ce qu'elle vous a fait et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Voilà, c'est Babylone qu'ils sont en train de construire. C'est complètement la confusion. Babylone, pourquoi ils sont en soutane? Babylone, pourquoi ils vous enferment dans leur bâtiment pour ne pas vous laisser sortir aller voir ailleurs? Ils disent, oui, ceux qui sont de notre église, dans mon église, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Ils disent mon église, mon église, mon église. Exactement. Je dis à mes brebis, je dis à mes fidèles. C'est comme ça qu'ils parlent. Donc,
La parole est claire, il y a un seul véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul véritable apôtre, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul véritable évangéliste, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul prophète véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul berger véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. David a dit dans Psaume 23, Yahweh est mon berger. Et le Seigneur dans Jean 10, il a dit, je suis le bon berger. Votre véritable pasteur, ce n'est ni Chora, ni les frères qui sont là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui seul et lui seul qu'il faut suivre. Amen. Il revient bientôt. Revenons, mes amis, à la maison du Maître. Revenons comme le Fils prodigue à la maison du Père céleste. Amen. Quittons ces milieux, c'est pourri. C'est un repère des démons, des sorciers, des faux pasteurs. C'est un mélange. La parole est claire, ne soyez pas leur associé. J'appelle tous les vrais pasteurs qui aiment la vérité, tous les vrais apôtres, prophètes, docteurs qui aiment la vérité, quittez ce milieu, restez seul avec Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont souvent des solitaires. Mais avec le Seigneur, Paul a dit, je suis seul, tous m'ont abandonné. Le Seigneur a dit, je suis seul, mais mon Père est avec moi. Jésus-Christ est homme. Mes amis, Esaïe est un homme seul. Jérémie disait, je me suis tenu solitaire. Je n'ai pas été dans leur assemblée. Je ne me suis pas assis en compagnie des moqueurs. Il faut quitter leur milieu. C'est complètement Babylone. Ils veulent vous rassembler, vous amasser comme des graines. Et pour que Dieu vous juge, mes amis, quittez ce milieu. Et la parole est claire, frères et sœurs, la parole est claire. La parole est claire, il est dit dans Psaume chapitre 1, j'appelle tous les vrais pasteurs, tous ceux qui aiment la vérité et qui sentent que ça sent le roussi, ça sent, mes amis, le péché là-dedans. Je vous appelle de la part du Seigneur à quitter ce milieu parce que Dieu vous aime. Mes amis, dans Psaume chapitre 1, Dieu dit, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi nuit et jour. Voilà. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, l'assemblée plutôt, ici là, l'assemblée des moqueurs. Pourquoi un moqueur, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la parole, qui est dans l'impudicité, dans l'adultère, qui est dans le péché volontaire et consciemment et qui ne veut pas changer. Quittez ce milieu, frères et sœurs, quitte à rester seul avec les frères et sœurs qui sont avec vous, c'est pas un problème. Dieu seul vous protégera. Personne ne peut fermer l'église du Seigneur Jésus-Christ. On peut fermer nos bâtiments, mais on pourra pas fermer la véritable église. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, il y a mon église. L'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pasteur, vous qui aimez la vérité, quittez ces associations pastorales, ce n'est pas dans la vision du Seigneur. Dieu seul peut protéger vos œuvres, Dieu seul protégera vos services, vos ministères, tout ça. Là. Revenons tous au Seigneur, le Maître est en train de revenir. Je voudrais vous rappeler, quand vous êtes convertis, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Quand on s'est converti dans les années 86, on dénonçait ces pratiques, on dénonçait les soutanes, vous les dénonciez. Revenons au Seigneur, et Dieu vous gardera, Dieu vous pardonnera, au nom de Yeshua, qu'il vous garde. Amen. Amen. Voilà, on revient dans 5 minutes. Voilà.